Oui, cette plénière a donc enregistré la position arbitraire du président pour empêcher un député catalan légalement élu, bénéficiant de l'immunité parlementaire, de venir siéger sur injonction des autorités de l'État espagnol. C'est un vrai problème pour la liberté de tous les députés européens, car demain la même chose peut se produire en Hongrie, en Tchéquie, en France, et voir la liberté d'un élu du peuple battue en brèche par une décision politique. Et c'est d'autant plus scandaleux que la Cour de justice européenne avait signifié que ces députés élus en bonne et due forme sur leur territoire méritaient d'être députés européens. Et donc, pour réagir à ça, une délégation de députés français, dont François, dont Michel Rivasi, ira rendre visite aux détenus espagnols à Barcelone le 23 et le 24 janvier prochain.